Je vais voir si j'ai réussi à plaquer un peu mes cheveux. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Si vous avez des cheveux crépus, je vous montre le gel que j'utilise. C'est le Red One, le noir. Il est midi, j'ai cours dans 30 minutes, donc on va se dépêcher. Un petit peu de couleur pour aujourd'hui, pour compenser ce temps gris qu'on a. Ça se voit que je suis fatiguée parce que regardez, j'ai des cernes, ce qui est assez rare chez moi. J'ai besoin de toute une journée de repos, une journée où je dors en fait, où je dors, je fais rien. J'espère avoir de l'énergie pour les cours de la pole parce que mine de rien, la pole c'est vraiment du sport. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre les commentaires que je me tape par rapport à la pole. Sur les réseaux, il y a de tout. Parce qu'on est quand même des millions à être connectés sur les réseaux. Il y a vraiment de tout. Différentes manières de penser, différentes cultures, différentes expériences, différentes personnalités. Lorsque je vois un post qui ne me plaît pas, je ne commente pas. Je ne mets pas de like, je ne commente pas. C'est comme si je n'avais pas vu. Idem pour des personnes même que je connais. Si c'est une personne que j'apprécie, il peut arriver que même si j'apprécie cette personne, bah elle fait un poste que j'aime pas. C'est pas que c'est la personne que j'aime pas, c'est le poste que j'aime pas. Donc je vous avouerai que par moment j'ai vraiment du mal avec les commentaires méchants que je me tape lorsqu'il s'agit de la pole. Et très souvent, la chose qui me choque de plus, c'est que ce sont des femmes qui sont méchantes envers une autre femme. Et c'est toujours des petits détails du style. Tes fesses, elles sont noires. Ou alors, moi, j'aurais fait un régime avant de me mettre à la pole. Ou alors, tu devrais avoir honte, t'es chrétienne. Je préfère faire un sport qui me permet de prendre conscience de la beauté de mon corps, qui me permet de m'accepter telle que je suis, avec mes vergetures, mes bourrelets, mon ventre, mon poids. Bref, que de passer mes journées à me dévaloriser. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, la pole, ça a été cette chose que j'ai faite pour moi. Pas pour mon mari, pas pour mes enfants. Ça a été vraiment l'une des rares choses que j'ai faites pour moi. Parce qu'à un moment, quand on est maman, quand on est épouse, bref, quand on vit dans cette société-là, on a vraiment du mal à faire des choses pour nous. Je vous encourage vraiment cette année à penser à vous, à vous prioriser et à penser à cette chose que vous voulez faire depuis des années et que... Il y a tout plein de raisons de ne pas faire et pourtant vous savez que vous devez faire. Une personne qui me regarde là, je te dis, fais ce qui te rend heureuse. Du moment où tu es en accord avec tes valeurs, en accord avec ta spiritualité, tu es en accord vraiment avec toi, fais-le. Et tu rentres, et là tu veux aller chercher à monter, pousser le bâton vers l'avant. True, Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights, please.
très bon, hein. Ah. Excellent. Est-ce qu'aujourd'hui, 50 euros, ça vaut quelque chose? Franchement, j'ai été faire les courses pour les quelques jours de la semaine qui reste. J'ai dépensé 65 euros, comme dit la blague. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud. Tout est d'une très, très chère. Tout est d'une très chère. Enfin bref, je vous fais un retour de course pour vous montrer ce que j'ai eu pour 65 euros, en fait. Coucou, mon cœur, ça va? Ça a été à l'école? Oui. Ok, super. Coucou Doudou. Ça va, mon amour? J'ai pris des lardons fumés. J'ai pris ce gros paquet comme ça de 500 grammes qui m'a coûté environ 4 euros, oui. 4 euros, je pense. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée parce que ce soir, je fais des lasagnes. Et du coup, 4,89 € pour 4 steaks hachés. J'ai pris de l'emmental râpé, de la pâte à pizza parce que la pâte à pizza, comme vous savez déjà, ça me dépanne toujours à la maison. De la pâte brisée ou des quiches, éventuellement. J'ai pris le dessert de Doudou, donc au soja. J'ai pris également le dessert des enfants, Naomi et Noah, donc du yaourt brassé. Des brocolis. La semaine dernière, on n'a quasiment pas mangé de légumes. Et ça, j'ai été traumatisée qu'on ne mange pas de légumes à la maison. Donc, j'ai pris du surgelé, brocolis, haricots verts et trio de poivrons. Voilà, j'ai pris des légumes de base que je peux vite faire revenir et manger avec de la viande, par exemple. Regardez même pas mon frigo, il est dégueulasse, je sais. Dans le prochain vlog, on nettoie tout ça. J'ai pris des pâtes à lasagne de la marque U. Je pense que ça a dû me coûter l'unité 1,24 ou moins de 2 euros en tout cas. J'ai pris des pommes Pink Lady, c'est les seules que mes enfants aiment. Et elles étaient en promo à 1,99 € le kilo. J'ai pris de la soupe poireau Saint-Jacques. En soirée, je mange trop. J'ai pris de la soupe pour manger léger le soir en espérant que ça marche. Et j'ai pris de la tomate concassée, une crème dépilatoire, de la compote de poire pour Doudou, de la mayo en tube, du jus pour les enfants, du pain de mie, des chips, de la béchamel, des bonbons pour monsieur, de la tomate fraîche. Les courses sont rangées et là maintenant on va faire un goûter pour les loulous. On va tester une nouvelle recette. Je pense que vous êtes habitué maintenant au fait que je vous partage des recettes qui ont l'air très simples, rapides, mais qui restent tout de même efficaces. Donc aujourd'hui, on va faire des beignets au yaourt. Donc c'est une recette que j'ai piquée à ma tata. J'aime trop ces beignets. Et ce qui est top, c'est qu'on ne laisse pas poser. En fait, dès que vous faites la pâte, vous pouvez déjà faire vos beignets. Vous n'avez pas besoin de laisser poser une heure ou rien. Donc moi, j'aime trop ce genre de choses qui ne sont pas longues là. C'est bien. Donc on va tester la recette et je vous mettais les ingrédients en barre d'infos. Maintenant, elle me dit que j'ai dit les pousser.
toi, Naomi, t'aimes bien? Oui. Moi, j'aime bien. Oui. Bien. Sturdy things, a fortified city, gates locked with bars. In other words, when we are offended, it's so hard to get out of that. It is valid to feel hurt. It is valid. But this offense is something that the enemy is using to cause division among us.
little peekaboo. Alors, là, il est 1h42, donc on est officiellement, on est mercredi en fait, et je ne dors toujours pas, je ne me suis même pas lavée d'ailleurs, voilà. Mon mari est au lit, les enfants dorment et tout, et je suis en train de faire le montage du vlog que vous regarderez aujourd'hui, puisque j'aimerais vraiment vous proposer 2 vidéos la semaine. Et pour l'instant, je n'ai pas de vidéo en réserve. Donc, ça me demande plus d'efforts pour un début. Et je pense qu'au fil du temps, je vais m'organiser pour avoir quand même 1 à 2 vidéos d'avance. Comme ça, ça me permettrait de me reposer. Là, pour l'instant, je suis vraiment sur mon focus sur ma régularité sur YouTube. Établir un lien vraiment avec vous sur YouTube également. J'espère vraiment que vous prenez conscience, vous vous rendez compte de l'effort que cela demande. J'ai envie de dire même du sacrifice que cela demande. Mais j'aime bien mon travail, j'aime bien, c'est quelque chose qui me passionne, les vidéos. Donc voilà, je vais finir le montage avant d'aller me laver. Je vais me couler un bon bain d'ailleurs, mais je vais vraiment finir d'abord parce que je pense que si je me lave, j'aurais pas envie de travailler, j'aurais envie de dormir et je veux pas être dans le rush le matin pour le montage de ce vlog. Je veux vraiment tout terminer. Et voilà, donc ça sera la fin de ce vlog, mes colorés. J'espère vraiment que vous avez aimé passer cette journée avec moi. Les mercredis seront dédiés à des vidéos plutôt soft. C'est vrai que là, aujourd'hui, finalement, j'ai fait pas mal de choses parce que en vrai, j'avais des recettes et tout à faire. Mais ça pourrait être des vidéos plus simples que celles d'aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais quelque chose de plus soft en semaine. J'espère que vous serez au rendez-vous les mercredis et les dimanches. Surtout si un mercredi ou un dimanche, il n'y a pas de vidéo, ne me tenez pas rigueur. Voilà, soyez indulgents avec moi. J'essaie d'être une personne organisée et c'est vraiment ça qui me, c'est vraiment ce qui me motive. Donc, soyez indulgente avec moi, mes colorés, si jamais un mercredi ou un dimanche, je n'ai pas posté de vidéo, c'est que vraiment, c'était pas possible pour moi. Donc, voilà. C'est quoi cette conclusion interminable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Très gros bisous. Sachez que, ça compte pour moi, vos vues. Vos commentaires comptent énormément pour moi, vos likes, vos partages, vos abonnements comptent pour moi parce que c'est des boosters au quotidien. Donc, je ne prends pas cela à la légère, sûrement reconnaissante pour toutes les personnes qui pensent à se connecter pour regarder mes vidéos à chaque fois que je les poste. Merci, 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 merci. Gros cœur sur vous et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Des bisous. Black diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody. Hey, hey, hey. It is all the glory. All the blessings you give me. When she ran up on me, saw me on your menu. I see that's the one I need. Did it make me shine like a bright star so they could see you in me? Did it pour me a blessing like holy water?